Bravo. Ouais. Bravo. Ce matin, Jean Leonetti a posé la première pierre de la future base de voile du Ponteil en présence des représentants du conseil régional, départemental et de la CASA. La base de voile, c'est un projet bien sûr sportif pour que les jeunes aient des équipements qui soient dignes de l'ambition de la ville d'Antibes qui est le pôle France. C'est aussi un projet social puisque le handiplage va se réorganiser sur cette base. Elle a un intérêt environnemental et touristique et bien entendu elle a un intérêt sportif. Donc bonne chance à nos champions du monde qui sont venus avec nous inaugurer cette première pierre. Hippolyte Machetti et Sidoine Dantès, les champions du monde 2017 de 470 jeunes, étaient présents. Bah, cette base de voile, c'est la cerise sur le gâteau, sur ce plan d'eau, parce que c'est le meilleur plan d'eau du monde, c'est le plus intéressant, et avoir une base parfaite comme celle qui va être créée, c'est une excellente nouvelle pour nous. Ce nouveau complexe nautique comprendra, en plus de la base de voile elle-même, deux postes de secours, un local associatif, un local pour la plongée sous-marine, des aménagements handiplage, mais surtout un cheminement piéton entre la plage de la Salisse et celle du Ponteil, sans oublier une pinède. Pour bénéficier de tous ces équipements, il faudra patienter jusqu'au deuxième semestre 2019.